Mario! Salut tout le monde, c'est The PopazX. Alors, comment allez-vous? Bah, moi je vais bien, même ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéo commentée. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un arrêt total, enfin un petit arrêt à ma chaîne, un arrêt dans Dofus aussi. C'est en fait, je me suis fait hacker 750 millions, dont 500 millions en cash et 750 millions en items de valeur estimée, mais qui était surmenal, que j'étais sûr et certain d'avoir pour environ 750 millions. Voilà, bon, j'ai arrêté un peu à cause de ça, parce que ça te la fout bien quand tu farmes les kamas et puis qu'on vient de te les voler. Je sais que ça arrive à beaucoup de gens dans ce putain de jeu, mais en kama ils font rien, ça me casse véritablement les couilles. Mais bon, bref, on va parler sur le sujet comme ça. Voilà, bon, ben, après que j'ai repris, ça va faire de septembre à novembre, j'ai farm quand même à la tchin, 1,4 milliard maintenant. Ça c'est sur un perso que je montrerai jamais, que personne ne connaît à part mes amis sur le autre serveur, qu'ils sont vraiment proches. En fait c'est ma mule banque, si tu veux, c'est avec ça que j'utilise pour aller en interserveur, que j'utilise que pour les interserveurs pour me refaire un peu plus de kamas. Cet argent là je le touche que quand j'en ai vraiment besoin, mais sinon c'est vraiment que pour dire d'aller. Je joue plus sur ce compte là, mais je vais chercher l'argent sur ce compte et je vais directement sur chercher les items, comme je fais des commandes de boucliers, par exemple je demande à Paparayon, j'arrive à en trouver pas cher, mais sur Ménage j'y revends à bon prix. Voilà, puis les hispaniques, mais bon, ça me coûte. Les hispaniques maintenant c'est la merde, je les fais plus parce que ça me coûte plus à l'achat qu'en revente, ça me sert strictement à rien. Bon allez, on oublie cette histoire, je vais vous faire la présentation du stuff vite fait bien fait. Voilà, une petite panneau assez sympa, 12-6, 4200 vita quasiment, de bonnes stats, 200 partout, plus de 200 statistiques, 5 PO, 2 invoques, ce qui est largement assez à notre level. Des bons petits dommages, une bonne puissance. En niveau résistance, on a 15, 23, 27, 23, 20. Ce qui est pas mal non plus. Avec quelques boucliers, ça passe crème. Voilà. Maintenant, je vous montre la panneau. C'est une panneau écarlate avec une panneau alligator. Grotto, pardon, excusez-moi. Avec une amulette aimantée. Ça, en fait, je vais vous faire une présentation riche et pauvre. Ça, c'est pour les riches. C'est vraiment le ça, voilà, assez bon jet, la panneau écarlate, pas dégueulasse, panneau alligator non plus, XOPM, ça c'est un bon pote, c'est mon pote Ezial qui le fait, parce que, comment, c'est lui, il fait toutes mes commandes d'exo, c'est un bon pote, voilà, baguette de lin, 13 en force, 9 vitalité, je pourrais en trouver une mieux, mais non, ce serait pour dépenser des cas pour rien. Qui serait vraiment moche. Une Melou Exopéa, une cape alligator, c'est bon jeu quand même. Voilà, un petit PQ 440, le full Dofus quasiment, parce qu'avec le joueur. Maintenant, je vais vous montrer, on fait juste ça, ça, ça. Pourquoi je ne peux plus te mettre? Ah, ouais, d'accord. À l'envers. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà ça. Et ça. Voilà. Voilà, on est en 4327 vitalité. Même si on n'a pas d'ocre pour faire ça. Venir rajouter un petit peu plus de vitalité. Oh, je sais pas, même pas besoin de tutu si vous avez. Bah, limite. Voilà, juste ça. Vous avez assez. Hein. 11-6. Ce qu'il faut pas plus pour un sacré. Vous êtes bien. Par contre, j'ai pas les trophées sur moi, ils sont tous en banque. Vous pouvez aller les chercher, mais sinon vous pouvez mettre des trophées vitalité pour monter à 4005. Enfin, 4005, ça va être très dur à notre level, mais bon, c'est faisable. Tout est faisable dans ce jeu de toute manière. Voilà. Et au niveau de résistance, bah, limite, ce qui va vous coûter le plus cher, c'est les deux exos. Ça, c'est sûr. Par contre, on n'a pas les mêmes statistiques, mais bon. Ça rocks quand même, on est bien, on est en
en 15 fixe, en 25 heures, en 32 feux, en 15 eau, en 22 heures. On est bien. Avec la panneau-là, franchement, on s'y, c'est bien. Un puits, 12 absous, c'est ce qui est parfait quand même. Enfin voilà. Maintenant, je vous donne mon avis. Vous pouvez critiquer en disant ouais, mais toi t'as plein d'argent, ouais, t'as plein d'argent. Mais au moment où j'avais pas l'amulette là, je jouais exactement la panneau avec laquelle vous venez de voir maintenant. Sauf que j'ai l'oc, le pot, le tutu, ça, on n'y peut rien. Enfin bon. Voilà, ça c'est la première panoplie que je joue tout le temps avec celle-là. Ça c'est la panoplie. En fait, j'ai deux panoplies colis. J'ai la panoplie CAC et la panoplie full résistance. La panoplie full résistance, je l'ai pas fini parce qu'il me manque ça et les OPM. Et 2 petits pourcents en haut et terre. Mais bon, ça on s'en fout parce que regardez, juste faire ça. Casque Dragoeuf. Je sais plus c'est lequel que je devais mettre. Attendez, hein, regardez. Non, ça. Ah ouais, l'agilité à pas du tutu. On va venir mettre ça là. Et on va venir mettre encore une fois. Voilà, on a 3261 Vita, 200 Hall. Excusez-moi, 200 Hall. Maintenant, on va regarder les résistances. Je suis à 50% de résil partout, sauf en champ en air qui me manque 3%. Ça me fout vraiment la boule, désolé, mon téléphone vient de sonner. Voilà. 146 de puissance. Le ROX est pas fameux, mais bon, ça c'est normal avec une panoplie comme ça, full résistance. Ça c'est full tank. Pour le colis, les gens ils vous voient, ils ragent déjà. J'ai déjà fait, je me suis déjà fait insulter à cause que j'avais 50% haul et que. Voilà quoi. En fait, normalement, en force, en terre, je dois avoir 55, mais je suis en haut 52, mais faut pas le dire. Non, je rigole. Voilà, bon, ben là, c'est juste ça qui change avec la panneau. Voilà, la panneau, la ceinture de fractal. Voilà, les sandalettes humeuses. Excusez pour la lecture, mais moi, j'aime me lever à 11h30. Oui, je sais, je suis en jour de congé, je profite. Ça va. Voilà, en 5% haul. La baguette de lin comme d'hab, la ancestrale avec il manque juste des petits pourcents, mais ça on s'en fout. La cape Minotauris comme d'hab, hein, c'est bon. Et le casque Drawer pour pas changer. Quoi. Voilà. Puis j'ai un mode anti-EK, anti-SRAM, ça l'arc. Parce que plus vous êtes loin, en fait, ils vont essayer de vous jouer à distance. Donc l'arc il a une bonne portée, vous ne savez pas porter de bouclier. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement l'amulette élémentaire. Vous pouvez mettre ce petit chef Bork qui a ses bons jets, qui a de bonnes résistances, qui donne 30, 35, 44, 37. Mais moi, je mets l'amulette élémentaire pour pouvoir un peu plus au niveau RO et un peu plus au niveau des stats. Mais ça, on s'en fout. Franchement, je m'en fous d'avoir blindé de résil sur cette là, c'est pour le ROX, moi, en fait, je le fais. Parce que les gars, ce qui va vous faire chier, c'est qu'il va jouer à distance, vous enlevez votre PO, patati patata, vous faites chier. Hein. Par contre, ça, je devais l'exo-PM, mais j'avais tellement la flemme que j'ai demandé à Eziel de me le faire, parce que c'est un bon pote. Je fais une bonne dédicace à lui. Sur Menal, vous avez besoin d'un exo, vous l'MP, il est trop fort, il vous fait les jets que vous voulez, c'est vraiment un bon... Pour pas cher en plus, ils ont fait des prix de malade, c'est vraiment un gars super sympa, il est super sympa, mis à part qu'il change de perso tous les 3 jours, ça c'est un peu casse-couille, mais bon bref, on s'en fout. La panola, tu dois la jouer en DD obligé, t'as une invocation qui est assez moche sur ce stuff, limite tu mettrais bien une invocation sur la cape, mais ça, on verra ça plus tard. Voilà, quoi, puis au niveau des résistances, on a 40, 47... O 40 R, 43 feux, ce qui est parfait pour les EK. 33 terre, 43 feux pour les SRAM. Tu tombes dans le réseau, t'as de bonne résie, quoi. T'es pas. Voilà, quoi. T'es bien protégé, on va dire. Voilà, ben. Voilà, je m'excuse encore de pas pouvoir aller sur domaine à cause de ce petit hack que j'ai dû arrêter de jouer.
Je vous ferai une présentation des rocks, mais souvent un sacré sur les putsch, ce qui ne sert strictement à rien. Donc je vous le dis, je fais du 200 limite. On va prendre un petit 1500. Allez, on va prendre le petit 50. Et comme ça, je vous montre vite fait, bien fait. Mettre le panneau là. Voilà. Regardez. Hein. Bah, c'est pas. Voilà, quand on revue 200 voire 700 minimum, c'est pas, c'est des jets, c'est des jets potables. On n'est pas, on va pas râler sur le jet, quoi. Ça c'est sûr et certain. Du no boost, c'est déjà bien. Voilà, et on est bien, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre, désolé. Voilà, si vous aimez jouer le sacré, je vous conseille vivement ce stuff. Moi, tout le monde me dit ne monte pas parce qu'après il va en avoir des millions comme toi, mais je m'en fous. Moi, c'est un jeu, je m'en bats les couilles. Franchement, vous me demandez un stuff, limite je vous le fais. Je vous ai proposé que je vais faire une classe Zobal. Ça va être peut-être le stuff là, ou peut-être un des nouveaux stuff que je vais mettre avec. Je vais voir, ou soit un steamer parce que j'ai vu une panoplie. Level 133, la nouvelle panoplie, là, la panthère rose. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle panoplie que tu gagnes sur la 2.25. C'est une panneau, mais je suis à 100 dommages partout. Boosté, je suis à 120, quoi. Je suis. Tu fais des embuscades à moins 700 CC, quoi. Tu te dis putain, au niveau 134, tu te dis bordel, c'est quoi ce délire? Tu te poses 3 millions de questions. Enfin, bref. Voilà quoi, ben je vais vous laisser avec une petite agro d'un panda. Son stuff n'est pas fameux et franchement il joue super bien. L'arc vous pouvez le jouer contre le panda parce qu'il va vous faire vertige et tout. Pour c'est comme un poison, c'est la merde. Enfin bon, et ouais, j'ai oublié de vous préciser, j'ai une panneau pour les Sadida. Une petite panneau AJ402. Par contre, c'est les dalles qui me font royalement chier avec une feuille de printemps. Ça passe quand même. Bon, on va vous montrer les rocks des assauts vite fait, bien fait. Après, je vous laisse avec le panda. Voilà quoi. Et après, c'est pas dégueu. Franchement, même pied du sacré qui passe bien quand même. Hein. Pourquoi contre les sadis? Ben parce que vous avez 48 de tacle, vous passez ici, vous le bloquez. Il invoque, vous décidez de niquer les invoques le plus vite possible ou je sais pas quoi. Il sait rien faire, un sadida il faut le bloquer parce que plus il va courir, plus il va invoquer, vous êtes dans la merde. Donc niquez les invoques, foutez-vous des trophées, vous les niquez. Et hop, Bayton, Manneke, Utferdum, Manneke, comme diraient bien les gens de chez moi. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, allez les gens. Sur ceci, je vous laisse. Allez, peace avec... Non, on va pas faire comme Squeezie, c'est pas bien. Bon, allez les gens. Ciao, bye bye. Et je vous laisse avec le panda. Abonnez-vous à la chaîne, faire tourner la vidéo. Et voilà. Allez, à plus. Ciao. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Side I keep, hit under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me?
save me from this, make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. His teeth are razor sharp. There's no escape for me. It wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream. Maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like